Benissimo, ben ritrovate, ben ritrovati. Stasera, appunto, nel seminario di oggi avremo una relazione di Tibo Lanfranchi. Tibo Lanfranchi, insomma, è uno studioso molto affermato, quindi molto noto. Presentarlo quindi è tutto sommato facile e difficile allo stesso tempo. Insegna storia romana all'Università Toulouse 2. Ha una bellissima track di pubblicazioni, in particolare sull'età repubblicana e sulle magistrature repubblicane. Thibaut è stato membro e allievo dell'École française di Roma e ha pubblicato, credo, tirata dalla sua tesi di dottorato, questa splendida monografia sui tribuni della plebe già 4-5 anni fa. Monografia che è diventata una pietra miliare degli studi specifici perché ha riconsiderato nel profondo le origini complesse di questa magistratura, non solo con attenzione alle fonti antiche, ma anche e soprattutto a quella che è la nostra percezione, quella che è l'origine della nostra percezione del Tribunato della Plebe. Ha fatto un lunghissimo excursus storiografico per spiegarci come molte idee reçues, no? Luoghi comuni della nostra appunto, concezione sulle magistrature antiche, sul tribunato, siano in realtà diverse da quelle della realtà antica e siano state appunto, abbiano influenzato il nostro modo di studiare. Quindi è un lavoro veramente che diventerà presto un classico, ma nel senso buono del termine, ovviamente. Oltre a questo, ha pubblicato un numero molto elevato di articoli proprio sui magistrati, appunto, per lo più dell'età arcaica o medio-repubblicana, sullo Ius Flavianum, quindi facendo attenzione anche agli aspetti del diritto, non solo delle istituzioni, sui funzionari dei magistrati, gli apparitores, su aspetti anche della religione romana, che è un po' l'argomento che andrà a toccare oggi, parlandoci appunto dei sagmina e delle piante officinali, cioè delle piante in realtà usate a scopo religioso. Ma direi appunto, lascerei a lui la parola. Ti ringrazio molto. Prima di tutto vorrei dire che mi dispiace se parlerò in francese perché non avevo avuto il tempo per tradurre il testo. Devo dire che all'inizio volevo fare una traduzione in inglese, ma vedo che sono tutti italiani oggi, quindi una traduzione in inglese forse non sarebbe molto utile, infatti. Quindi mi dispiace, ovviamente parlerò il più lentamente possibile, ma se c'è problema posso provare a rispiegare dopo in italiano, se posso, ovviamente lo farò così. E vorrei anche ringraziare Mattia e Federico per l'invito, soprattutto perché parlerò oggi di un tema un po' lontano dal mio campo usuale di studi ed è un tema che mi interesserà da molto tempo e non avevo mai preso veramente il tempo di studiarlo. Per dirlo in francese adesso, si j'ai choisi de ce thème, c'est parce que j'avais croisé plusieurs fois ces mots dans les sources et j'avais jamais trouvé d'explication satisfaisante. Et donc, au bout d'un moment, j'ai décidé de la chercher moi-même. Donc, c'est un sujet un peu nouveau pour moi, qui est une dimension exploratoire. Et du coup, je vous prie de m'excuser par avance si ça ne paraît pas parfaitement formalisé, parfaitement terminé. Et aussi, je vous prie de m'excuser par avance parce que paradoxalement, alors qu'il y a finalement assez peu de sources sur ces mots, je vais beaucoup citer de sources. Voilà, c'est une plante qui intervient, ces plantes interviennent dans un contexte assez particulier, essentiellement, hein. Le contexte de la déclaration de guerre, la guerre romaine, la conclusion de la paix, les opérations des faisceaux. Et donc, je partirai de quelques rappels évidents, mais très rapides, puisque je pense que enfin, tout le monde est romaniste et connaît ça très bien, pour ensuite entrer directement dans le vif du sujet. Bon, on sait que les Romains sont un peuple guerrier et un peuple de juristes. Et donc, en tant que guerriers et juristes, ben, ils ont un droit de la guerre. Ils ont des formes et des procédures très ritualisées de déclaration de guerre qui sont liées donc à ce qu'on appelle le jus fecialé. Et ces rites sont liés à un collège de prêtres particulier. Et c'est d'abord, en fait, dans l'exercice de ces rites qu'apparaissent les plantes dont je vais parler aujourd'hui. L'origine de ces rites et de ces prêtres était disputée déjà dans l'Antiquité, même si la plupart des sources les font remonter à l'époque royale.
Et le texte le plus classique, le plus connu sur cette... sur ce thème, c'est bien évidemment le très célèbre texte du livre 1 de Tite-Live, où Tite-Live nous explique le fonctionnement du Collège des Fessiaux et le rituel de la déclaration de la guerre, rituel qui aurait été emprunté peut-être aux équicoles. Donc ce texte que je vous ai cité, j'ai mis la traduction française sur la diaporama suivante, si j'arrive à revenir. Ce texte se situe en fait au moment du conflit entre Albe et Rome, hein, sous le règne du roi Tullus Hostilius. Et c'est là qu'on a peut-être une des appellations les plus canoniques à la fois d'Effessio et de ses plantes. Alors c'est intéressant d'une part parce que ça prend place lors d'un conflit avec Albe, sachant que la ville d'Albe n'a en réalité jamais existé, donc ce conflit est totalement mythologique, mais ça permet à Tite-Live de nous expliquer comment ça fonctionne. Et il explique du coup comment on procède. Le Fécial pose au roi Fétialis « Regem tulum ita rogavit ». Donc, roi me donne tu de conclure un traité avec le père patras du peuple d'Albe. Iubent te rege, le roi dit oui et il dit sagmina inquit, patati patata. Donc, je requiers de toi, il demande au roi, je requiers de toi l'herbe sacrée. Vous voyez, le latin dit sagmina, traduction française dit herbe sacrée. Prends de l'herbe, dit le roi. Prend de l'herbe pure, le fécial à l'accueillir à la citadelle, l'herbe pure. Alors, si je reviens en arrière, ah, attendez, je vais décaler parce que je ne vois pas mon texte à cause des. Voilà. Le fécialis ex arche graminis herbam puram atulit. Donc, il va chercher sur l'arx l'herbe pure. Après quoi, il pose au roi cette question, Regamita rogavit, roi, me désignes-tu comme plénipotentiaire royal du peuple romain des Quirites? Reconnais-tu ce caractère officiel à mes assistants et à mes voisins, oisa comitescue meos? Donc là, la traduction française est complètement baroque, puisque ça devient les ustensiles sacrés. Oui, répondit le roi, sans préjudice de mon roi, et c'est ça qui m'intéresse, is patrem patratum spolium fusium fecit, Werbena caput capilosque tengens, et il fait per patra spurius fusius en le touchant avec les werbena, donc là le français dit le rameau sacré. Et ensuite le per patra est chargé de perpétrer le serment. Donc ce texte, qui est le point de départ évident parce que c'est le plus connu, il est aussi intéressant, je crois, parce qu'on voit une évolution dans les termes utilisés par Tite-Live, hein, sagmina, oaza, werbena. On voit aussi que la traduction française est un peu étrange, on va dire. C'est la traduction de la CUF, hein, je précise, puisqu'elle rajoute du sacré un peu partout, l'herbe sacrée, les ustensiles sacrés, le rameau sacré, alors que le latin ne l'utilise pas du tout. Et on voit que l'herbe en question est une herbe que le fécial va cueillir sur le Capitole, très exactement sur l'arx, nous dit le texte, et il s'en sert pour désigner, pour faire le per patra. Au moment où il l'utilise, elle devient ça devient werbena. Au passage, c'est un texte qui est en général considéré comme un texte technique. Hein. Les commentateurs de ce passage de Tite-Live ont souvent souligné ce caractère très technique, issu probablement de la littérature antiquaire. Et dans sa monographie Audi Jupiter, Tourelli en offre une assez longue analyse qui insiste sur le caractère très rituel, très solennel de ce dialogue par questions-réponses qui fondent un certain nombre de normes juridiques très, très précises. Alors, est-ce qu'on peut en conclure que Tite-Live cite ici in extenso un texte ancien ou s'appuie sur des textes très anciens? C'est difficile à affirmer, même si ça a souvent été défendu, notamment, argument supplémentaire, par le nom du père patrin qui s'appelle Spurius Fusius, c'est-à-dire une forme antérieure au rotacisme, une forme antérieure à la transformation de la graphie, puisque plus tard, après Appius Claudius Caecus, on dirait plutôt Spurius Furius. Bon, c'est difficile de savoir si réellement Tite-Live cite d'extenso ici des textes très anciens. Ce qui m'intéresse, c'est de voir en tout cas l'apparition de cette herbe qui change de nom au cours du passage et d'essayer de comprendre à quoi elle sert. Et pour ça, ben, le plus intéressant est peut-être de partir des autres sources qui les mentionnent, de proposer un balayage, essayer d'en voir ce qu'il est possible d'en tirer.
Et c'est assez intéressant ce balayage parce qu'en réalité, il y a assez peu de sources qui mentionnent ces herbes. Donc après cette petite introduction sur l'objet et ce texte définitif comme point de départ, je vous propose un petit voyage au travers de ces sources, des plus anciennes aux plus récentes. Ce sera assez rapide, vous verrez. Les plus anciennes, c'est dans les œuvres de Névius, donc 3e siècle avant notre ère. C'est la plus ancienne référence aussi d'ailleurs à l'activité des fessiaux dans ce qui nous reste de la littérature latine. Et en fait, en réalité, on connaît ce passage de Névius parce qu'il est cité ultérieurement par Festus hein, dans son dictionnaire. Donc, un extrait de ce qui est probablement la guerre punique de Névius, dans lequel donc, on nous apprend Scopas atque verbena stagmina sunt servut. Ils prirent comme stagmina, je vous cite la traduction française, ils prirent comme stagmina des brindilles et des verbenas. Et là, la traduction française préfère ne pas traduire le deuxième. Et ce passage est lié à un autre qui est parfois rapproché du corpus de Naevius, mais pas toujours, c'est pour ça que j'ai mis, je n'ai pas officiellement attribué à Naevius, le deuxième passage qui nous dit Ius sacratum iuris iurandum stagmine. Alors là, la traduction n'est pas forcément facile. Je vous propose une traduction. Le serment de Jupiter est rendu sacré par le Sagmen. Antoine Virdaz, dans sa plus récente traduction française, propose serment de Jupiter consacré par le Sagmen. Donc, c'est la première fois qu'en fait, dans les sources apparaissent cette plante. Après ça, il y a bien évidemment le texte de Tite-Live que j'ai cité du livre 1, et un autre texte de Tite-Live dans le contexte de la Deuxième Guerre punique, où on nous apprend comment les fessiaux désignés pour aller en Afrique, pour sanctionner le traité, obtiennent en fait. Senatus consultes rédigés en ces termes, on leur dit ils prendront avec eux les cailloux sacrés, hein, donc lapides, ilices, peuasque, verbenas, et les verveines sacrées pour aller sanctionner le traité. Et Tite-Live nous rajoute là que c'est une espèce de plante, Herbaeid genus, ex archée, encore une fois, qu'on prend en Capitole pour les donner aux fessiaux. Évidemment, ce texte de la Deuxième Guerre punique se répond avec le texte issu du livre 1. Et certains commentateurs ont voulu expliquer qu'en réalité, le long passage du livre 1 à l'époque de la guerre d'Albe ne sert qu'à donner une toile de fond archaïsante, finalement, au seul vrai traité connu par Tite-Live, des deux, à savoir celui de 202 et de la fin de la Deuxième Guerre punique. Après Tite-Live, c'est chez Pline qu'on a mention de ces plantes. En disant donc, je cite, en attendant, nous ferons preuve de plus d'audace et nous dirons combien il faut avoir de considération pour les herbes même muettes, c'est-à-dire sans renom. En effet, les auteurs et fondateurs de l'Empire romain en ont tiré un immense avantage, puisque ce sont précisément ces herbes qui ont fourni les sagmen pour remédier aux problèmes de l'État et les werbenas pour les sacrifices et les ambassades, nous dit Tite-Live. Quoniam non aliunde sagmina in remedis publicis fuere et in sacris legationibusque werbenae. Par ces deux noms, on indiquait assurément la même chose, nous dit Pline, à savoir de l'herbe arrachée de la citadelle, mais il ajoute avec sa motte de terre, donc gramen ex arche cum sua terra volsum. Et en tout cas, quand on envoyait des ambassadeurs à l'ennemi pour la clarigatio, c'est-à-dire la demande claire de restitution des biens, l'un d'entre eux était appelé le werbenarius, hein, werbenarius vocabatur. Après Pline, c'est Festus qui arrive, où on trouve précisément le passage qui cite Névius et le tragédien un peu inconnu dont je vous ai parlé plus tôt. Donc, Festus nous explique que les Sagmina sont appelées Werbenae, c'est-à-dire Herbae Purae, donc Sagmina vocantur Werbenae, idest Herbae Purae, parce que le consul ou le préteur les faisait apporter d'un lieu sacré lorsque les ambassadeurs partaient pour contracter une alliance ou déclarer la guerre. Et c'est là qu'il cite à l'appui de sa définition Névius. Dans la suite chronologique, on se retrouve ensuite dans le digeste avec un témoignage, pardon, là c'est Paul qui marche avec Festus
c'est le même texte, excusez-moi, avec le digeste, avec une citation de Marcien, qui explique donc ce que sont les choses saintes, sanctum est patati patata, et il ajoute, on les appelle saintes, sanctum autem dictum est, a sagminibus, donc à partir du mot sagmen, sunt autem sagmina, quaedem herbae, donc ce sont ces herbes, ces plantes, quas legati populi romani, ferre solent, que les ambassadeurs du peuple romain ont coutume de porter et qui rend leur personne sacrée, nequis eos violaret, sicut legati grecorum ferunt et aquae vocantur chiricae, comme les ambassadeurs des Grecs avaient coutume de porter une autre espèce de plante appelée chericium, chiricae, je reviendrai sur ça un peu plus loin. Dernier maillon de cette chaîne, le commentateur de l'Énéide, qui commente un passage d'Énée, donc le front saint de Rameau de Verveine, il nous explique que la werbena, c'est une herbe sacrée. Alors lui, il explique que c'est rosmarinus, donc le romarin, comme beaucoup le pensent, c'est-à-dire la libanotis, là il y a sicut agonis, là le texte pose problème, cueillie dans un lieu sacré du Capitole et dont sont couronnés l'Ephésio et le Père Patra quand ils s'apprêtent à conclure des traités ou à déclarer la guerre. Il ajoute, c'est cependant d'une manière abusive que nous appelons werbena toutes les branches d'herbes sacrées comme le laurier ou l'olivier ou le mythe. Et là, il cite Terence. Ainsi, Terence prend de la verveine de cet autel, car Ménandre, duquel Terence a traduit, atteste qu'il s'agissait de myrte, donc une discussion un peu complexe sur les plantes en question. Le passage de Terence qui est ici cité par Servius à l'appui de sa démonstration est un extrait de l'Andrienne, en fait. Et il y a un commentaire de Donna à ce même passage. Et dans ce commentaire, Donna explique ex ara sube werbenas, donc le même, toujours le même, les mêmes problèmes. Le feuillage werbena, ce sont toutes les herbes et les feuilles festives, nous dit-il, festae, pour faire des couronnes pour les autels, ou bien toutes les herbes et les feuilles cueillies dans un lieu sans souillure. Ex loco puro. D'autre part, werbena est employé comme s'il y avait herbenae, et il cite à nouveau Ménandre. Alors là, le problème, c'est que vous voyez qu'il y a cette espèce de globibulga de grec, qui est un mot grec qu'on n'identifie pas. Plusieurs reconstitutions ont été proposées, mais je vous les passe. Ce rapide balayage, enfin rapide, pas si rapide que ça, je m'en excuse, témoigne du très petit nombre de sources qui mentionnent en fait ces plantes dans toute la littérature, enfin dans toutes les sources latines. Et on voit que ce sont en général des œuvres d'érudition. Hein. À part Titlive et Pline, on a quoi ? On a Festus, on a Donna, on a Servius, on a le Digeste, souvent des œuvres fragmentaires, et sur un laps de temps assez long, du 3e au 4e siècle après. Ce qui est assez intéressant, parce que normalement, les opérations d'Ephésio, de par leur complexité, sont censées être un peu tombées en désuétude aux deux derniers siècles de la République, mais cette plante continue à poser question et être objet de réflexion. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce balayage dans les sources ? Le fait qu'il y a plusieurs noms d'abord, qui sont employés, que je trouve intéressant. C'est la première chose que je trouve intéressante. Tantôt sagmina, tantôt werbena, tantôt herba, herba pura. Et d'après le témoignage de Titlive, ça semble même changer de nom au cours du processus. C'est-à-dire que quand on voit le texte de Titlive, on commence par l'appeler d'un certain nom et on l'appelle d'un autre nom par la suite. Deuxième élément qui me paraît intéressant, c'est clairement lié à la sphère des fessiaux et des relations internationales. Mais suivant des modalités qui ne sont pas exactement les mêmes d'une source à l'autre. Troisième élément intéressant, je crois, le fait que c'est cueilli dans un endroit bien particulier, l'arx, en gros, par des personnages particuliers. Quatrième élément intéressant, on voit que c'est utilisé dans un ou plusieurs rituels différents, nomination du Père Patra, validation d'un serment, purification, on va y revenir. Quatrième et dernier élément, c'est comparé parfois à des pratiques ou à des termes grecs. Voilà les quatre ou cinq grandes conclusions qu'on peut tirer a priori du balayage des sources et sur lesquelles je vais revenir un peu plus en détail à présent. En commençant par cette question du lien à la sphère des relations internationales. Dans le contexte des relations internationales, on voit que la plante intervient dans la série des rituels liés aux fessiaux. Le témoignage de Nevius, de ce point de vue-là, n'est pas forcément le témoignage le plus utile,
puisque il nous apprend quand même assez peu de choses. Je ne comprends pas pourquoi. Ah, voilà. Il nous apprend assez peu de choses, et en plus, on ne connaît pas vraiment le contexte dans lequel ça intervient, même si on pense en général que c'est la déclaration de guerre de 264. Les passages de Tite-Live sont plus riches et plus intéressants de ce point de vue-là, et ils se répondent, puisque dans les deux cas, c'est un contexte de conclusion de guerre, même s'il est clair que ça intervenait aussi la plante pour la déclaration, et que là, chez Tite-Live, les personnes qui interviennent sont uniquement les fessiaux. Alors que Pline, ou Festus, ou Martien dans le Digeste parlent bien aussi des legati, c'est-à-dire des ambassadeurs, pas seulement des fessiaux. Cela étant, un observateur un peu critique pourrait dire que finalement, le terme de legatus tel qu'il est employé par Pline et par Festus est sans doute un terme mal employé, puisque quel est le rôle des legatus, des legati dans ces textes? C'est de conclure les traités. Donc peut-être qu'ici, Pline et Festus emploient le legatus dans un sens un peu général, qui pourrait aussi désigner les fessiaux. Je ne sais pas, c'est discutable. Mais en tout cas, les principaux intervenants sont les fessiaux, et à côté d'eux, vous avez le roi et les magistrats supérieurs, puisqu'il y a un dialogue entre le roi et le détenteur de l'imperium, le roi ou magistrat, et le fessial. C'est à lui que le prêtre demande l'autorisation de l'accueillette. On voit qu'il y a une demande, il ne peut pas aller de lui-même chercher la plante. Il faut d'abord demander au roi, et donc sans doute ensuite au détenteur de l'imperium, avant de pouvoir véritablement aller cueillir la plante. La personne qui va aller la récupérer et l'accueillir porte peut-être même un nom particulier, si on en croit Pline, puisqu'il nous dit qu'il porte le nom de Werbenarius. Et donc peut-être qu'il y avait un personnage un peu particulier pour ça. La première utilisation qu'il va en faire alors, ça va être pour la factio du Pater Patratus, puisque le texte de Tite-Live nous dit bien, hein, c'est à ça que ça sert. Il va, je retrouve mon passage, il touche de son rameau sacré la tête et les cheveux du personnage, et c'est comme ça qu'il fait le Per Patra. Le latin sera plus clair. Is pater patratum spurium fusium fecit, verbena caput capillusque tangens. Donc, d'une certaine façon, l'intérêt de ce texte, c'est d'abord de montrer que la plante sert à désigner le Per Patra. Est-ce que c'est tout? Oui, a priori, si on croit ce texte, mais non, si on écoute l'autre texte de Tite-Live, puisqu'on voit dans le deuxième texte de Tite-Live que la plante va être emportée en Afrique. Elle va être emportée par les ambassadeurs et les fessiaux avec eux, avec d'autres objets, les cailloux sacrés, les verbenes sacrées, mais on ne sait pas tellement ce qu'ils vont faire sur place avec, puisque le texte s'arrête là. Donc, si on veut interpréter véritablement le rôle de cette plante dans le domaine des relations internationales, le texte de Tite-Live fournit une bonne base de départ. On voit qu'il sert au moment de la désignation du Per Patra et que la plante est prise, mais on est obligé de se tourner vers les autres textes pour aller plus loin. Et de ce point de vue-là, ici, il faut, je pense, partir du témoignage de Martien, puisque le témoignage de Martien explique que les ambassadeurs du peuple romain avaient coutume de porter avec eux cette plante et ça rendait leur personne sacrée. Et ce témoignage de Martien peut être rapproché d'un passage de Varron cité par Nonius. Dans le De Vita Populi Romani, Varron indique que le caducée est un signe de paix, et il dit « Verbenatus ferebat verbenam », donc le verbenatus portait la verbena, « et idem erat caduceus », donc on retrouve cette idée du caducée, c'était un caduceus, un signe de paix, ce que nous pouvons considérer comme la baguette de Mercure. Donc, les autres, évidemment, il n'est pas parfaitement certain qu'ici Verbenatus soit la même chose que Verbenarius, mais il est intéressant de constater que ces autres sources nous montrent que la plante n'était pas seulement utilisée pour la désignation du Pater Patratus, mais semble indiquer que c'était un signe de paix associé à un objet particulier et qui donnait une aura particulière aux ambassadeurs romains.
Alors, cette comparaison avec les Grecs est-elle véritablement valide? On a vu que cette idée du caducée se trouvait déjà ailleurs. Elle se trouve dans le texte que j'avais cité de Marcien et qu'elle se retrouve chez Nonius et donc chez, chez Varro. Qu'est-ce que c'est que ce kerukeia en grec? Alors, c'est effectivement le caducée, mais pas seulement, on va le voir. Alors, cette idée du caducée comme symbole protecteur n'est pas très répandue. Hein. Outre Marcien et Nonius, on la trouve aussi chez un très court passage de Festus qui nous explique qu'on appelle caducatores legati pacem petentes, les députés qui viennent demander la paix. Et peut-être aussi, on la trouve dans un passage de Tite Live que je vous évite. Mais il semble bien qu'effectivement, dans certaines sources grecques et latines, on estime que finalement, on peut donner le nom de caducatores aux envoyés de la paix, et que donc, ces personnages étaient protégés par un signe distinctif. Les sources grecques vont un peu dans le même sens, puisqu'on va trouver chez Polybe des emplois un peu similaires. Si on s'intéresse à ce passage du livre 3, on apprend que les gens établis au voisinage de la route qu'ils suivaient se concertèrent pour lui tendre un piège, vinrent le trouver et portant des rameaux et des couronnes, ce qui, chez tous les barbares, constitue un symbole de bon vouloir comme le caducée chez les Grecs. Hein, Tokarukeion, Tois et Lessine. Plus significatif encore, vous avez des lemmes de la Souda qui nous explique que le caducée était un signe de paix et d'amitié. Donc, le lemme Kerukeion, c'est un signe d'amitié chez les barbares parce qu'ils se rencontraient et portaient des couronnes et des branches d'olivier comme le caducée chez les Grecs. Un autre lemme Kerukeion nous explique que c'est ce avec quoi on se présente pour faire une proclamation en tant que héros. Et dernier lemme de la Souda, le bâton avec de chaque côté de têtes de serpent enroulées. Les héros ont l'habitude de le porter avec eux et il n'était pas permis de faire du tort à ceux qui les accompagnaient. Ces témoignages nous montrent que le caducée est le symbole d'une mission et que les ambassadeurs sont censés être protégés grâce à ce symbole. Un autre passage d'Appien que je ne vous ai pas cité, donc, qui rapporte comment les Gaulois Sénon massacrèrent les ambassadeurs romains en 283, insiste sur le fait que les ambassadeurs romains sont massacrés en dépit du fait qu'ils portaient ces caducées. Donc ce symbole était porté par les héros grecs en signe distinctif, en signe de protection. Dans le monde grec, il n'était pas associé à la paix en soi, mais il accompagnait les ambassadeurs. Dans l'histoire de Rome, la première occurrence de ce terme intervient au moment de la Delitio Triwernum en 329, puisque les habitants assiégés sortent alors pour demander la paix au général romain en portant précisément ce caducée. Mais c'est à peu près tout, on le retrouve après chez Appien et dans certains cas, mais plutôt en général dans des sources où on va mettre en avant le caducée pour amplifier la faute commise contre les ambassadeurs. Et donc finalement, une analyse assez précise du rapport suggéré par le texte de Marcien et une comparaison avec le monde grec incite plutôt à penser que Marcien fait ici une assimilation qui est inexacte. C'est-à-dire que les ambassadeurs du peuple romain ne sont pas rendus spécifiquement sacrés par la plante en tant que telle. Qu'en réalité, si elle joue un rôle, il ne peut pas être un rôle de protection de la personne des ambassadeurs, parce que ce témoignage est trop isolé et que même si on compare avec toute une série d'autres sources grecques, ça ne tient pas véritablement la route. Et donc finalement, le rôle diplomatique de cette plante semble se limiter dans la désignation du perpatrat et dans la panoplie emportée par les faisceaux, mais d'un point de vue diplomatique, ne semble pas avoir d'autres liens, parce que cette idée d'une plante protectrice et qui créerait une espèce d'aura spécifique aux ambassadeurs, n'est pas véritablement attesté en dehors du rapprochement fait par Marcien. Y a-t-il alors d'autres fonctions liées à cette ou ces plantes?
Il me semble que oui, et pour ça, on peut repartir en fait du texte du tragédien inconnu cité par Festus, qui nous explique donc que cette plante a un rôle dans le serment. Ius sacratum, iuvis jurandum, sagmine. Parce que ce passage établit un lien direct entre la plante et le serment. Or, le texte de Tite-Live sur le Pater Patratus nous montre aussi que le rôle du Pater Patratus a à voir avec la prestation de serment au moment du traité. Or, dans le texte de Festus, qui cite le tragédien inconnu, on voit que le serment, d'une certaine façon, est rendu sacré par la plante. Ius sacratum iuvis jurandum sagmine, par la plante. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que la plante peut intervenir dans ce processus? Peut-être peut-on le comprendre par un petit détour là aussi, à nouveau dans la langue latine de Varron, avec un passage tout à fait important qui met en rapport fides et foedus. C'est un passage très, très connu, hein, où on nous explique que les fessiaux reçoivent leur nom de ce qu'ils président à la fides publica entre les peuples, quod fidei publicae inter populus erant. Et en effet, c'est par eux qu'il arrivait qu'une guerre était engagée justement et qu'ensuite elle cessait, en sorte que par un foedus était instituée la fides, un ut foedere fides qui se constituerait tour. L'action des fessiaux était à ce point perçue comme liée au traité et à la fides qu'on a cherché de cette façon à expliquer leur nom par là. Alors, c'est une étymologie qui est sans doute fantaisiste. Il n'empêche que les traités de paix étaient jurés. On sait que le traité de paix avec les Carthaginois était juré sur Jupiter, Lapis, Mars et Quirinus. Et que le lien entre la fides et le foedus, c'est quand même un lien tout à fait important et fort. Et c'est sans doute là qu'intervient le lien entre le ius jurandum du Pater Patratus et les plantes. Le Pater Patratus a en charge le traité et le serment du Pater Patratus comprend toute la partie parlée, prononcée bien sûr, comme dans tout serment, mais aussi des gestes finaux qui sont rapportés par Tite-Live, hein, le fameux sacrifice de l'animal et l'utilisation de la pierre, une pierre très spécifique, c'est celle, vous savez, qui est prise dans le temple de Jupiter Ferretrius. Et donc on voit qu'au moment de la conclusion du serment, il y a la pierre, il y a le sceptre et il y a la plante. On connaît toujours en général la pierre et le sceptre, on les mentionne toujours, mais on oublie un petit peu la plante. Et si la pierre sert au coup final porté sur sur l'animal, la plante intervient également, peut-être plus tôt, dans la partie prononcée, avant les gestes finaux. Hein, et on peut comparer ici la formule de Tite-Live et la formule citée dans le texte de Festus. Pater Patratus a dit « Ius jurandum patrandum ides cinquendum fit foedus, ius sacratum iuvis jurandum sagmine ». Donc le « ius jurandum » est rendu sacré d'une certaine façon par la plante et par l'intervention de Jupiter qui garantit l'échange de fides au corps, au cœur du foedus. La plante va être l'instrument, la sanction du traité et il y a une forme d'identité entre le « ius jurandum » et le foedus sensire. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée du « ius jurandum iuvis » n'est pas unique, n'est pas propre à ce passage. On la retrouve chez Ennius, dans un vers assez intéressant, le fragment 280 de Ribec. « O fides alma apta pinis et ius jurandum iuvis » nous dit-il, « O fides, déesse aux blanches ailes, serment sacré de Jupiter. » Assez intéressant de retrouver cette expression. Même si, évidemment, dans ces cas, la valeur exacte du génitif iuvis laisse songeur. C'est-à-dire, pourquoi iuvis au génitif? Probablement à ce que le serment a comme garant Jupiter, et dans cette garantie, l'herbe, devenue alors sagmène, joue un rôle dans le fait de faire advenir le serment. Alors ici, on touche évidemment à la complexe notion de serment. Qu'est-ce que c'est qu'un serment? Qu'est-ce que c'est que jurer? On sait que c'est un acte complexe. Le ius jurandum intervient à plusieurs moments clés de l'histoire romaine, hein, par exemple, création du tribunal de la plèbe, mais pas que.
Et on sait que le serment est un acte qui se situe à la lisière du religieux et du politique pour témoigner, garantir la vérité d'un engagement. On peut citer une définition du serment que j'aime beaucoup, qui est donnée par Paolo Prodi dans son livre Il Sacramento del Potere. Invocazione della divinità come testimone e garanzia della verità, vericità di un'affermazione e dichiarazione o dell'impegno o promessa di compiere una certa azione o di mantenere un certo comportamento in futuro. E invocazione con la quale un singolo accende un rapporto con il gruppo a cui appartiene, ponendo in gioco la propria vita corporale e spirituale in base a comuni credenze che attengono alla sfera della metapolitica. C'est une définition que je trouve intéressante. Et le texte d'Ennius est en fait cité par Cicéron, précisément quand il cherche à expliquer ce que c'est qu'un serment. Donc on voit bien que la plante joue un rôle essentiel dans le processus qui permet de jurer et de faire advenir le serment, d'assurer la dimension métalinguistique et religieuse du serment, et que, comme la pierre dans la partie finale, elle est le moyen physique utilisé, mais comment, c'est pas trop. Et il y a une forme de matérialité du processus qui est très claire, qui est très claire ici, et qui montre que la plante n'est pas seulement utilisée pour désigner le perpatras, mais qu'elle a un rôle très important dans la suite des opérations. Et donc, cette deuxième dimension potentielle de cette plante nous ouvre sur une autre dimension de cette herbe, une dimension plus générale, religieuse, que je voudrais essayer d'aborder dans un troisième temps. Je vais essayer de remettre un peu d'ordre dans mes idées. Partant du texte de Petite Livre, j'ai essayé de présenter un panorama des sources qui mentionnent la plante, montrer qu'elle a un rôle très fort du point de vue diplomatique dans la nomination du perpatras, mais que contrairement à ce que pourraient laisser penser certaines sources comme Martien, elle ne joue pas un rôle de protection du corps de l'ambassadeur, je ne pense pas que ce soit démontrable, qu'en revanche, elle a visiblement un autre rôle au moment des opérations diplomatiques, au moment de la prestation du serment. Elle y intervient d'une façon un peu compliquée. Et ce rôle, dans le moment de la prestation du serment, me paraît ouvrir sur une dimension plus religieuse, plus générale de cette plante, que je voudrais évoquer à présent. Et pour ce faire, on peut à nouveau déceler partir de Festus et de sources toujours un peu ésotériques. Festus nous explique dans un passage qu'on appelle Capita Deorum, c'est-à-dire littéralement les têtes de Dieu, des petits bouquets de werbena, des fasciculi qui sont facti ex werbena. Et ces têtes de Dieu doivent, je pense, être rapprochés d'un autre type d'objet religieux, d'un autre type de couronne, qu'on appelle les stroupies, qui avait un usage au moment des lectisternes. On peut citer ici un passage de Tite Livre à propos du lectisterne de 179 avant notre ère, Terra Movit, la terre tremble. Dans les places publiques où se faisait le lectisterne, les têtes des dieux placées sur les lits sacrés avaient tourné, les Deorum Capita quae in lectis erant auerte rund, pardon, et les étoffes de laine qui voilaient la statue de Jupiter étaient tombées. Des rats avaient rongé les olives, etc., etc. On voit que ce texte de Tite mentionne ces fameuses têtes de dieux qui, à en croire Festus, sont faits de werbena, et que ça semble poser problème. Alors, à quoi pouvaient bien ressembler ces têtes de Dieu? À quoi ça pouvait bien ressembler ces petits bouquets? On en a peut-être une représentation grâce à une peinture d'une tombe étrusque qui est la tombe du lit funèbre de Tarquinia, qui est une tombe du 5e siècle avant notre ère. Alors, l'interprétation de la tombe est très discutée parce que on y voit soit une interprétation funéraire, d'où le nom, soit une référence précisément à un rituel de type lectisterne. Bon, trancher le débat n'est pas très important pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est la représentation du lit sur la paroi du fond, puisque le lit comporte des petits coussins et sur lesquels vous avez en fait des couronnes de plantes.
Alors, ça se voit un peu mieux. Et les coussins, sur les coussins, vous avez des pilei qui semblent un peu ressemblent aux pilei des Dioscures. Hein, et les pilei sont entourés par des couronnes de plantes qui sont peut-être ces fameuses têtes de dieux mentionnées. Et donc, on voit que la verveine, la werbena, semble avoir aussi un rôle purificateur dans un certain nombre de rituels employés comme capitaleorum, notamment peut-être dans les lex tisterne, ce qui nous renvoie donc à une valeur lustrale purificatoire de ces plantes, valeur lustrale et purificatoire, qui est peut-être également mentionnée par deux autres témoignages qu'on retrouve chez Pline en particulier, qui vont nous montrer d'autres usages de cette plante. Dans le livre 15, Pline nous explique qu'en Europe citérieure, qui commence au mont Kéronien, l'arbre lui-même fut vu pour la première fois sur le tombeau d'Elpénor à Circéi, d'où son nom grec, etc., etc. Et il se trouvait là où Rome se trouve aujourd'hui dès l'époque de sa fondation. En effet, selon les Romains, la tradition, pardon, les Romains et les Sabins, après avoir voulu se battre à cause de l'enlèvement des vierges, déposèrent les arbres et se purifièrent avec des werbenas de myrte, donc, pour comprendre lui, Imicare ou Louis VII, Depositis armis, purgatos in eo loco, qui nunc sinia veneris, clevacine herbet, et clerui. Oui, bon, j'ai perdu mon texte, pardon, c'était au-dessus. Quipe ita traditor, mirtea werbena romanos seminus. Cum proper patati patata. Donc, ils utilisent de la myrte et la werbena pour se purifier. Deuxième passage de Pline, encore plus intéressant. Aucune herbe n'a plus de célébrité à Rome que la hiera botanée, un petit peu de grec en latin, que quelques-uns appellent aristéréon, aliqui aristéréon donc l'appelle, nous autres, werbena, donc cette werbena, elle est hiera botanée, elle est herbe sacrée, et on retrouve nos usages des légats, ce qui prouve bien qu'on parle bien de la même chose. C'est elle, comme nous l'avons indiqué, que les ambassadeurs apportent aux ennemis, c'est avec elle qu'on balaye la table de Jupiter, qu'on purifie les maisons, qu'on pratique l'illustration. Aec est quam legatos ferre ad hostes dicawimus, ac iovis mensa veritur, domus progantur lustranturque. Et il précise qu'elle est genera eius duo, c'est-à-dire qu'elle est de deux sortes. Hein. Il y a la foliosa, on pense être femelle, qui est fémina, et il y a l'autre qui est à feuilles plus clairsemées, rarioribus foliis. Donc on retrouve bien ici l'idée d'un usage purificateur de cette plante, qui n'apparaît plus sous le nom de Sagmen, mais seulement sous son nom de werbena, et qui est même appelé par Pline hiera botanée. Et cette appellation de hiera botanée, de plante sacrée, est intéressante, parce que ce thème de plante sacrée se retrouve ailleurs, chez Dioscoride, qui nous explique, en parlant de cette plante, qu'elle est appelée la sainte, hein, qualité des hiera botanae, parce qu'elle est utilisée comme amulette dans les sacrifices expiatoires. Et cette idée se retrouve encore très tardivement dans les étymologies d'Isidore de Séville, où il nous explique que hiera botanae a été appelée ainsi par les Grecs, parce qu'elle est jugée comme bonne, comme remède et bandage. Vous allez voir que je ne cite pas juste des sources pour citer des sources. Qu'est-ce que nous rajoute Isidore de Séville? Et on approche de la boucle, va bientôt être bouclée. Nous explique que c'est pourquoi les pontifes l'appellent Sagmen, quasi sensimen, aec et werbena, quia pura. Comme si c'était le mot sensimen, et aussi werbena, parce que pur. Donc on voit que, par ailleurs, la plante semble être qualifiée d'herbe sainte, de hiera botanae, parce qu'en dehors de son usage explicitement diplomatique, ou en tout cas par les fessiaux, elle semble être en elle-même porteur d'une version purifiante, d'où l'hypothèse qu'elle ait pu être appelée parfois herba pura, on la voit ainsi mentionnée parfois, herba pura, et peut-être pas tellement parce que le mot purus dans herba pura voudrait dire pur, mais peut-être parce que purus dans herba pura voudrait dire purificateur, ce qui pourrait être prouvé par un extrait de Tibulle, Ipseque te circum lustravi sulfure puro, moi qui ai promené autour de toi le soufre purificateur plutôt que le soufre pur,
comment comprendre Puro ici, peut-être plutôt comme purificateur, et un passage d'Ovide également tout à fait intéressant qui nous explique que les ancêtres romains ont appelé fébrois les instruments de purification. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu cassée. De nos jours encore, quantité d'indices accréditent le sens de ce terme. Les pontifes demandent au roi des sacrifices aux flamines d'Hélène, et c'est dans la langue des anciens portait le nom de fébrois. Et c'est aussi le nom donné à l'épôtre torréfié, au grain de sel, etc., etc. Et à la fin, on voit nomen idem ramo, qui caesus la barbore pura, un arbre pur ou un arbre purificateur. Donc peut-être que le terme de purus dans cette appellation d'herba pura pour la plante désignerait pas tellement une idée de pureté qu'une idée de purification. Et c'est peut-être justement cette dimension purificatrice qui intéresserait aussi dans cette plante au moment de son utilisation pour le serment ou la nomination du père patron. Donc on voit effectivement que la plante semble avoir une dimension plus large et assez intéressante, même si elle est difficile à préciser en raison de l'éclatement des textes qui le mentionnent, qui sont des textes qui s'étalent sur une distance chronologique très longue et qui ne sont pas toujours très, très, très clairs. Je terminerai en évoquant les noms, la forme, et le lieu où pousse la plante, nom, forme et lieu. Quelle forme prenait-elle? On voit que ça varie selon les textes. Très souvent, c'est présenté comme un simple rameau, une herbe. Mais Pline, on l'a vu, nous parle bien d'une motte de terre. Il nous explique qu'elle est prise avec la motte de terre. Et Servius et Donna, dans le commentaire à Terence, eux parlent même d'une couronne. Donc c'était visiblement une herbe assez simple dans sa forme, mais qu'on appelle werbena une fois cueillie, ou sagmen dans la phase finale qui fait intervenir le serment, c'est-à-dire que le nom semble bien changer au moment où elle est utilisée. Elle devient herba pura dans sa dimension purificatrice, donc herba ou werbena, sagmen, herba pura au moment où on l'utilise, avec une différence de forme. La notion de motte, qui est celle qu'on trouve chez Pline, hein, dans le premier texte que je vous avais cité, l'idée que je retrouve le texte. Voilà, arraché de la citadelle avec sa motte, exarché comme soit terra. Cette idée de la motte est intéressante parce qu'elle a été analysée parfois comme l'idée que finalement on ne prendrait pas seulement l'herbe, mais une portion de la terre romaine. Pourquoi ? C'est une portion de la terre dont les auspices avaient été pris et s'étaient déclarés favorables. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un peu de terre avec la motte. La terre serait à la fois un symbole du sol de Rome, mais aussi une partie qui aurait été religieusement établie du sol de Rome, d'où son utilisation dans les opérations juridico-religieuses des fessions. La possibilité d'en faire des couronnes étant probablement plus métaphorique. Et de ce point de vue-là, la motte renvoie au lieu de la cueillette qui est très intéressant. On a vu qu'en général, le lieu de la cueillette est dit exarché, Tite-Live et Pline. Mais Festus Paul ajoute ex loco sancto archemantur. Servius dit de loco sacro capitolii. Tout ça renvoie évidemment au même endroit, à savoir l'arx, donc cette partie du Capitole qu'on appelle l'arx, la partie septentrionale du Capitole, hein, celle qui a été très largement arasée pour y appuyer le Vittoriano, et une partie intéressante puisqu'on sait qu'elle comportait un certain nombre de bâtiments tout à fait intéressants, le temple de Junon Moneta, un temple à la Concorde et surtout, probablement, l'oboraculum, et au témoignage de Festus lui-même, hein, le premier nom de l'arx aurait d'ailleurs été l'oboraculum. Et le lien entre l'arx et l'oboraculum est attesté par de multiples sources. Donc, que l'herbe soit finalement cueillie sur cette partie particulière de la colline explique sans doute en partie son caractère sacré, ou plutôt saint. Qu'est-ce que nous dit le loco sancto archemantur?
puisqu'on sait que ce qui est sanctus en latin, c'est tout ce qui est tout ce dont la violation est sanctionnée par une peine, par une sanction. Les enceintes, le pomerium, certaines lois, certains traités, bon, etc., etc. Et donc, l'arx, d'une certaine façon, est un lieu saint, puisque est saint tout ce qui est inauguratus en latin, est saint tout ce qui est munitus, et est sanctus tout ce qui est, ce que j'ai dit, hein, quotine poena violari potest, ce dont on ne peut pas, ce qu'on ne peut pas violer sans être frappé d'une, d'une sanction. L'arx est sainte parce qu'elle comprend l'auguraculum, qui est un espace inauguré. Et donc, on peut comprendre pourquoi la plante va aller être cueillie dans cet endroit particulier et pourquoi, si elle est cueillie dans cet endroit particulier, elle est frappée d'une aura particulière. Et ce qui est très intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'un ultime témoignage, qui est le témoignage de Varron, semble bien témoigner d'une association de la plante aux augures et aux auspices. C'est un extrait du livre 6 du De Lingua Latina, où on nous apprend que... alors, le problème de ce texte, c'est que c'est un texte qui est très mutilé. L'établissement du texte est compliqué. Je vous cite le texte tel qu'il est donné dans l'édition de la CUF et la traduction de l'édition CUF. Ainsi, on dit que nous en venons aux mains avec l'ennemi. Manum dicimur cum est. Également, invité à mettre la main sur l'objet du litige en droit. Sic exiure manum concertum vocare. De là, amener la main pour revendiquer la liberté. Atterre manu in libertatem, comprenibus, quand nous touchons quelqu'un. Sic augures dicut, ainsi les augures disent, si tu m'autorises à toucher le bouquet avec la main, nomme mes copartageants, si mi auctores verbenam, manu acerere, dicito consortes. Alors, c'est un texte d'interprétation difficile, où on voit que Varron liste une série d'actes à valeur juridique impliquant la main, la prise en main. Mais dedans, il renvoie visiblement aussi à un moment où les augures sont autorisés à toucher avec la main de la verbena. Alors, à qui demande-t-il? On ne sait pas, mais on pourrait faire l'hypothèse qu'il s'adresse à un magistrat, comme dans le texte de Tite-Live. Et on pourrait faire l'hypothèse précisément que nous sommes sur l'auguraculum de l'arx, le lieu où se trouve la plante à cueillir d'une certaine façon, et qu'il s'agirait du moment de la cueillette pour donner la plante au spécial et que l'événement pourrait, ce qui serait assez logique dans le monde romain, s'accompagner d'une prise d'auspice. Évidemment, ce n'est pas certain. Mais si l'hypothèse est juste, alors la valeur de la plante tiendrait non seulement au caractère spécifique du lieu où elle est cueillie, mais également sans doute à l'action des augures à ce moment-là. Et c'est pour ça que la verbena peut être vue aussi comme porteuse d'heureux présages. Chez Simac, la verbena est dite verbenas felicis arboris, c'est un arbre félix, probablement parce que sa cueillette suit une prise d'auspice favorable. Et donc, si tout moment de la cueillette implique cet ensemble d'opérations, on peut aussi comprendre son rôle dans le serment, puisque le serment est lié à Jupiter, qui en est le garant ultime d'une certaine façon. Or, si la plante est liée aux auspices, alors elle est aussi liée par les auspices à la sphère jovienne, puisqu'il y a un lien très fort entre auspicium du magistrat et autoritas de Jupiter au travers de la prise d'auspice. On pourrait alors se demander si c'est n'importe quelle plante qui pousse dans cet espace, ou si on doit imaginer un petit carré de pelouse particulier, soigneusement entretenu. On sait qu'à Rome, il y a un poularius qui s'occupe des poulets qui sont utilisés. Est-ce que le verbenarius ne pourrait pas avoir ce type d'utilité? Le temps avance, ça fait presque une heure que je parle, donc je vais conclure, puisque en général, on demande après une heure de temps de parole, donc j'avais prévu une petite heure. Que retenir au terme de ce parcours très tortueux? J'ai bien conscience que ce parcours a été très tortueux. D'abord, que je crois que cette plante est intéressante et qu'elle n'a pas livré tous ses secrets et qu'en réalité, son simple usage au moment de la facture du pater patratus n'est que quelque chose, n'est qu'un usage parmi d'autres. C'est une plante importante qui semble avoir eu un rôle tout à fait intéressant. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faille aller dans l'analyse de la plante vers les théories anthropologiques un peu datées comme celle de Wagenwurth, qui voulait voir dans ces plantes un pouvoir de type mana. On n'a pas du tout le mana, je pense, même si ici une approche un peu plus anthropologique serait utile et j'ai un peu ce que je compte faire par la suite.
Deuxième élément, c'est qu'on a une plante dont le nom générique est peut-être celui de verbena, la verveine, qui pousse dans un endroit précis et qui sert à des rituels précis. Quels rituels? À mon avis, au moins trois qui sont intimement liés. La nomination, la création, l'Ater Patratus en l'occurrence, le serment et l'allustration. Pourquoi cette plante alors peut-elle être dite sacrée, non pas au sens latin du terme, mais au sens un peu général que nous on en donne à ce terme? À la fois par son nom même et peut-être par les opérations qui président à sa cueillette. Si effectivement elle est cueillie sur l'arx, dans un endroit inauguré, suivant un rituel qui implique des hospices, alors elle est déjà par cela même entachée d'une valeur religieuse particulière. Par ailleurs, le nom qu'elle prend au moment où elle va être utilisée dans la phase finale, celle du serment, le nom de Sagmen est intéressant, parce que l'étymologie de Sagmen témoigne d'un rapport probable, peut-être, avec la notion de sacer. Derrière Sagmen et sacer, vous avez la même racine indo-européenne en sac. Et cette racine indo-européenne est une racine qui, si on en croit les linguistes, benveniste ou d'autres, a une signification qui renvoie à l'idée de conférer l'existence ou la réalité, donner l'existence ou la réalité, et établir d'une certaine façon. Et donc, elle est dite sacer, la plante peut être dite sagmen, parce que par sa présence dans le rite, elle va précisément conférer existence à la réalité, au rite dans lequel elle est utilisée. Enfin, comme elle est en rapport avec la pierre, avec d'autres objets, elle me paraît être une herbe intéressante qui renvoie aux minutieuses et complexes opérations juridico-religieuse des Romains, qui implique des gestes, des paroles, des objets, et à côté des objets un peu classiques auxquels on pense spontanément, cette plante a un rôle visiblement particulier, un rôle qui lui confère des noms différents selon les moments où elle est utilisée et selon les formes où elle est utilisée. Voilà, je vous remercie. Je suis tout à fait Grazie. disposé à écouter vos critiques. Grazie mille, grazie. Grazie, Tibor. Sono emersi in questo discorso molti tuoi interessi storiografici. Allora, io inizierei subito il dibattito. Ricordo a tutti che Tibor, almeno per quanto l'ho sentito io, parla almeno tre lingue in maniera fluente: italiano, inglese e francese, e non so se altre ancora. Quindi credo che poi ciascuno possa fargli le domande nella lingua che preferisce, lui poi risponde come gli è più comodo. Ci sono domande? Mentre voi riflettete, io rompo un po' il ghiaccio. Io avrei due osservazioni, sì, due domande, diciamo, te le faccio in italiano se non ti dispiace. Prego, prego. Uno, hai citato più volte, insomma, hai toccato più volte aspetti giuridici, chiaramente, perché stiamo parlando di una ritualità, di un sacerdozio come i feziali, che forse ha più connotazioni giuridiche rispetto ad altri. A un certo punto, più volte hai evocato il pretore. Qual era la funzione specifica del pretore in questa realtà? Era il garante della fides? Perché entravano in rapporti con altri popoli? Si sa come mai a un certo punto era messo nel discorso il suo ruolo? Questa è la prima domanda. La seconda, invece, c'è nella tua raccolta, nel tuo dossier, un numero insolitamente alto di fonti tardo-antiche, dell'antichità tardive, che di solito vengono usate, ma appunto è raro trovarne così tante e così essenziali per una questione di storia arcaica. E anche lì tu giustamente hai detto: ah, era un interesse, i tardoantichi avevano un interesse erudito per la questione, ma che tipo di erudizione era? Cioè, era linguistica? Erano interessati all'aspetto terminologico o c'era veramente una volontà di riscoperta di questa ritualità? Allora, rispondo in francese se ti va Bien, bene, merci, perché merci. sono davvero molto stanco. Per quanto riguarda la prima domanda, c'est pas le prêteur en tant que tel, c'est disons le plus le magistrat imperium. Visiblement, ce qui ressort
des sources, c'est que le moment de la cueillette et de l'utilisation initiale de la plante implique la présence du magistrat imperium. Il semble bien qu'on ait besoin de demander l'autorisation d'aller cueillir et d'aller prendre. Et pour ça, on le demande au magistrat à imperium, visiblement. Pour ce qui est des sources, ça a été une grande surprise pour moi. Quand j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette plante ? En fait, d'abord, avant d'aller lire les sources, j'ai été tapé, j'ai cherché online sur l'année philologique, j'ai cherché Sagmina, Werbena, et il n'y a quasi rien, en fait. Personne ne s'est intéressé à ça. Donc ensuite, j'ai cherché toutes les occurrences possibles de cette plante. Et effectivement, ce ne sont pratiquement que des sources d'époque impériale et tardo-impériale. Pourquoi ? Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi. Je pense d'une part, ça m'a surpris d'abord parce que le rituel initial, c'est le rituel des fessions qui n'existe plus du tout à l'époque impériale. Et je pense que pour eux, c'est parfaitement ésotérique et parfaitement étrange en fait. Et je pense que c'est peut-être ça qui les intéresse. Alors, il y en a certains, c'est des questions linguistiques, peut-être, Donna en particulier, qui est un commentateur à Terence, mais les autres, ce ne sont pas forcément des intérêts linguistiques, c'est plutôt, je pense, une curiosité au départ, un peu comme la mienne, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette plante, pourquoi ça intervient, et essayons de comprendre ce que c'est. Mais ils ne la comprennent pas forcément toujours, parce que, par exemple, le texte de Marcien et le rapprochement qui est fait par Marcien avec la protection, finalement, du corps des ambassadeurs, à mon avis, est un rapprochement complètement erroné qui ne fonctionne pas. Mais évidemment, le résultat qu'on a, c'est qu'on se retrouve avec des sources très éparpillées qui s'intéressent parfois à ça uniquement parce qu'elles veulent commenter un texte. On commente Terence, on commente Virgile, etc. Ou alors, comme c'est le cas de Varron ou de Festus, on veut expliquer un rite, on veut expliquer quelque chose, et donc on s'y intéresse. Et là, il y a un aspect, je pense, vraiment antiquaire chez Varron ou chez Festus. Malheureusement, le texte qui, pour moi, serait presque le plus intéressant, qui est le dernier, le texte de Varron, c'est un texte qui est très mutilé, et on n'a pas du tout le contexte. À quel moment les augures disent ça ? À quel moment l'augure va dire... Tu m'autorises à auctores ou urbanum, urbanum manum acerere, on ne sait pas à quel moment ça se. Merci. Très bonne réponse, oui. Ah, Federico. Bon, grazie mille. Io sono fra i tanti che, anche quando, come dire, mi sono occupato di feziali. Lo so. Sui sagmi, insomma, mi sono soffermato davvero poco. In parte perché, vabbè, pensavo che non mi servissero tanto per quello che provavo a dire, ma anche perché, francamente, ci avevo capito poco o nulla. E quindi, innanzitutto, ti sono molto grato di avere messo ordine in un dossier davvero, davvero difficile. E quanto hai detto su quel che riguarda i feziali mi ha convinto proprio del tutto. In realtà mi ha convinto anche il resto, ma diciamo sul resto ho alcune curiosità e adesso le condivido rapidamente con te. Prima però una cosa proprio al volo su quanto hai appena detto in risposta a Mattia, cioè riguardo al fatto che sì, il collegio feziale, o quantomeno i riti feziali, non sembrerebbero sopravvivere in età imperiale. È vero, però ci sono delle... reviviscenze, si direbbe in italiano, cioè c'è Ottaviano, ma un po' più avanti, insomma, ci sono anche informazioni che collegherebbero un rito feziale a Marco Aurelio, insomma, c'è anche un riferimento in Ammiano Marcellino, e poi c'è tutto il coinvolgimento, del quale sappiamo molto poco, dei feziali nella conclusione dei trattati. E comunque sia sappiamo che il collegio dei feziali viene in età imperiale popolato di componenti. Ah, sì, ci sono dei feziali sicuramente. Allora, in quel contesto lì, secondo me, l'idea di una conoscenza antiquaria, che magari si fondava anche soltanto su tradizioni inventate e magari anche fumose, non è troppo sorprendente, ecco, perché comunque sia il sacerdozio una sua vita, della quale conosciamo molto poco,
ce l'ha. Vabbè, questa è una nota a parte. Allora, la prima cosa che vorrei chiederti è, cioè, a me sembra che un punto parte, diciamo, da un punto davvero importante, secondo me, di questa tua relazione, che per la prima volta, secondo me, mette al centro il legame che c'è fra sacerdoti e piante, sacerdoti romani e piante. Cioè, quindi questo aspetto, diciamo, botanico dell'esercizio del ruolo sacerdotale, secondo me è proprio un aspetto nuovo di questa tua ricerca. E già solo per questo te ne sono davvero molto grato. Mentre tu parlavi a un certo punto di auguri, mi è venuto in mente litus. E mi vergogno, non mi sono mai chiesto di che materiale fosse fatto il litus. Immagino di legno. Immagino di legno, di qualche tipo di legno, ma... E anche lì poi, allora, che differenza c'è fra eventualmente un pezzo di legno più o meno lavorato e invece una pianta tipo il sagome non la verdetta? Questa è la prima domanda. La seconda mi riporta invece a quella gran bella citazione di Paolo Prodi che hai evocato verso a metà del tuo intervento. Perché? Beh, anzitutto perché quella citazione lì pone il problema della comparazione, no? Di questo tipo di materiale. Quindi dove andare a cercare i comparanda? Ed è anche questo un aspetto molto interessante, sei andato a cercarli nell'ambito, diciamo, early modern, insomma, nella storia moderna, ecco, che è il campo di Prodi. Ma, ecco, la sfera della metapolitica. Esiste la sfera della metapolitica a Roma? Non lo so, non è una domanda che implica una risposta. Non lo so, non ci avevo mai pensato in questi termini. Grazie. Allora, ti ringrazio per la gentilezza delle tue domande. Allora, prima di tutto, grazie perché io non sapevo che anche sotto Marco Aurelio ci sono attestazioni dei feziali, quindi è un punto veramente interessante perché, come hai detto, potrebbe spiegare questo interesse antiquario per tutti questi rituali. Il litus, francamente non lo so se si tratta di un legno particolare o non lo so. La cosa interessante è che sappiamo adesso almeno che per quanto riguarda il rituale della guerra e la rerum repetitio, una volta la guerra decisa, si sa che si usa questo, le cornulier, si dice in francese le bâton de cornulier. Quindi non so qual è il legno usato per fare il litus, ma posso almeno darti una cosa interessante, che è un'ipotesi di Alexandre Grandazzi, secondo la quale la parola purus, nella frase asta pura, per esempio, potrebbe significare senza metallo. Lui ha questa idea che purus potrebbe significare senza metallo. Ma cercherò sul punto del litus. Devo cercare nelle fonti se abbiamo informazioni su questo punto. Poi Paolo Prodi. Mi metto al francese per essere sicuro per le sfumature della lingua. Le problème à la base d'utiliser la citation de Paolo Prodi, c'est que Paolo Prodi fait du serment un élément important dans la constitution d'uno spazio politico secolarizzato, d'un espace politique sécularisé. Et ovviamente, uno spazio politico secolarizzato non c'è mai stato a Roma, ovviamente. C'est donc une comparaison déjà problématique et j'en suis conscient. Mais je trouve vraiment cette citation magnifique. C'est pour ça que je ne peux pas ne pas la réutiliser. Est-ce qu'il existe une sphère de la métapolitique à Rome? Non, je ne pense pas. La politique imprègne tout.
Et c'est une sphère politico-juridico-religieuse, c'est-à-dire que les trois sphères sont intimement mêlées et fonctionnent en permanence en lien l'une par rapport à l'autre en réalité. Et ça se voit au fait que ce sont les mêmes personnes qui accomplissent les différentes actions sous une fonction ou sous une autre. On peut être en même temps magistrat et prêtre, qu'on va avoir affaire à l'un ou à l'autre et que tout ça est intimement lié. Enfin, je te remercie sur l'idée du lien prêtre-plante. Encore une fois, ce que je vous ai présenté, c'est quelque chose qui est un peu au début. Je voudrais creuser. J'ai notamment pour projet de faire un petit peu de comparatisme anthropologique pour aller voir un peu dans la littérature anthropologique ce qu'on a et voir un peu d'autres plantes qui seraient utilisées par les prêtres à d'autres moments, d'autres éléments végétaux qui seraient utilisés. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser, même si, encore une fois, les sources qu'on a sont à la fois très intéressantes, parce que ce que je trouve rigolo, on s'amuse comme on peut, c'est qu'il y a une espèce d'effet de ping-pong, c'est-à-dire une source va renvoyer à une autre, Terence va renvoyer à Donna, Donna va renvoyer à Servius, puis on va arriver à Dioscoride qui va envoyer à Isidore, et une espèce de pelote de fil qu'on dévide petit à petit. J'ai bien conscience que c'est toujours compliqué de construire une argumentation réellement solide et valide sur un tel cumul de sources écrites à des époques différentes, par des auteurs différents, qui avaient chacun un but et des visées différentes. Mais c'est quand même curieux de voir à quel point elles se répondent. Il faut essayer. C'est vrai. Il faut essayer. Merci. Nous sommes très heureux que, en vérité, tu nous as présenté un travail au début, parce que c'était vraiment ce qu'on voulait dans ce séminaire, alors, c'est de discuter de work in progress. Et c'est pour ça que si vous n'êtes pas convaincu, si vous avez des critiques, je les prends très volontiers, très très volontiers. J'ai encore une question, en fait. Tu as cité l'idée de faire des comparaisons, non ? Avec d'autres plans. Et est-ce que tu as pensé à regarder dans la médecine, dans les usages médicaux? Parce qu'en vérité, religion et médecine se sont très proches dans l'Antiquité. Peut-être. Oui, alors. Essayer de voir ces choses-là. J'y ai pensé notamment parce que la traduction évidente de verbena, c'est la verveine. Oui. Et la verveine est une plante médicinale. Mmh. Est une plante à vertu médicinale qui a été utilisée pour ses vertus médicinales. Mmh. Donc oui, j'aimerais bien aller voir ce qui est dit d'elle dans la littérature médicinale antique et post-antique. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Après, est-ce que réellement ce qui est appelé Mina ou Herbena, Vapura, c'était vraiment la verveine? Je ne sais pas, probablement ce serait assez logique, mais j'en suis pas sûr. C'est pas tout à fait nécessaire, oui, ça peut être. Mais dans certains, j'avais été consulté, mais j'ai pas pu trouver l'image. Mais il y a un des manuscrits de Dioscoride, mm-hmm. J'avais cité Dioscoride pour la Hiera Botanae, qui illustre précisément le manuscrit par une image verveine, en fait. Le manuscrit est découpé et il y a un dessin de verveine. Et de quel âge est ce manuscrit-là? 9e ou 10e siècle. 9e, 10e, ok. Je vérifie. Ah bien. Ce sont des approches très intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Observations? C'est Emilio, tu veux intervenir? Je te vois noir, tu sei nero, non ti vedo niente. Mi è sembrato di vedere un movimento. Ok, a tua. Sì, scusate, sono scuro perché ho qualche problema a vista. Comunque, grazie mille, Thibaut, per questa relazione, perché mi ha riportato alla memoria di una cosa che ho fatto tanti anni fa quando ero studente, che sono passato in Sorbona e c'era questo corso di latino, sul latino botanico, sul manuale di Jacques André. E quindi mi sono ricordato questa cosa, ma vabbè, questa è una parte personale. E, no, ho una
Cosa che potrebbe essere una sciocchezza, ma mi è venuta in mente vedendo la fonte neviana che hai citato all'inizio, quella che parla di Scopas. E, non so se è una paraetimologia mia o se è una scemenza quella che sto per dire, ma dalle mie parti, che sono la zona dell'Etruria, la scopa, quella da esterni, si chiama scopa di saggina. E questa parola è di solito indica il sorgo e è di solito associata a un termine di latino tardo, medievale, che è sagina, che però l'etimologia non è chiarissima come ci si arrivi, perché sagina significa qualcosa che dà nutrimento. E quindi non lo so se è completamente a caso, ma scopa viene dal fatto che si spezzavano i rami delle piante per spazzare a terra, e non so se il sorgo potrebbe essere una un'ispirazione, un'idea da vedere. Grazie mille, perché non lo sapevo, quindi sì, è molto interessante. Ma è italiano corrente, saggina. Sì, sì, si usa anche in Liguria, si usa. Anche si usa in Liguria, allora. Quindi se si usa in Liguria, la romana saggina non è quella gialla, è proprio rotonda. Quella estera con i propri rami, i ramoscelli sotto. Giusto, proprio ramoscelli grezzi, sì, ce l'ho a casa, sono ramoscelli grezzi, non è quella che si compra normalmente, è un po' più... Sì. E non so, vabbè, insomma, questa era così, un'idea, una sciocchezza mi era venuta in mente. L'altra cosa che volevo dire se posso solo aggiungere una cosa, nel testo di Nevio, Scopas atque verbenas, devo dire che Scopas è una correzione di Scaligia. Ok. Ci sta. Questo mi l'avevo notato è interessante non di meno, perché devo cercare sta pianta. Saggina si scrive con due G, saggina. Con due G, ok. S-A-G-G-I-N-A. Ok, grazie. E l'altra domanda? E l'altra era più una curiosità, se hai menzionato alcune visioni antropologiche e mi chiedevo se la sguardi da pratiche indigene di medicina popolare e l'uso purificatorio della salvia, che evidentemente è un'altra pianta, potessero avere qualche tipo di intersezione con questo tipo di pratiche romane, perché comunque momenti di alta ritualità. La traduzione francese di questa pianta è la soja? Oui. La soja, ok. La soja. Non l'ho fatto ancora, ma ovviamente sì, voglio cercare in questa direzione. Quando dicevo una ricerca antropologica, pensavo ovviamente all'inizio a un paragone con altri popoli che hanno un uso, diciamo, religioso delle piante, ma anche ovviamente l'uso purificatore e anche nella medicina popolare, sì, sì. Questa è la parte del lavoro che rimane da fare, se posso dire così. Ho provato prima di tutto di fare l'indagine nelle fonti antiche. Poi adesso voglio allargare il mio campo di investigazione. Grazie molto. Comunque. No, grazie a lei, Robert, scopa di saggina, è molto interessante. E devo quindi cercare l'etimologia di saggina. Esatto. Grazie ancora. Bene, altre domande, altre questioni? Alberto. Sì, non so quanto a lungo mi potrò permettere la telecamera. Quanto toscano, ci bacchetta tutti sulle timone. No, confermo che anche in Toscana si dice saggina. Del resto, come è stato detto autorevolmente, se si dice in Liguria, ovunque, cioè nel Toganato. No, allora, no, intanto ringrazio, perché io sono, cioè ero assolutamente digiuno di queste cose. Io ho appreso moltissimo, no? Quindi grazie infinite per questa presentazione, e devo dire ovviamente per la risposta va benissimo il francese, la domanda, se permette, tipo la faccio in italiano, ma solo
Per rispetto alla sua lingua, perché diciamo le ultime volte che l'ho frequentata, insomma, trascorso del tempo. Detto questo, siccome stava ora dicendo di allargare, no, un po' l'indagine, ma in realtà un'indagine già molto ricca in cui ha anche preso, vedo comunque, insomma, si è avvicinato, ecco, alle fonti iconografiche, mi chiedevo se per l'appunto non pensavi anche di estendere a questo, a questi campi, no, diciamo così, quindi all'archeologia fondamentalmente, queste ricerche. Lo dico perché quando stavi spiegando il funzionamento, no, anche diciamo del insomma, l'uso proprio, ecco, propriamente detto, di questi sagmina nelle pratiche dei feziali, mi sono venute a mente due cose, cioè una le rappresentazioni sulla Rapacis con i collegi sacerdotali, dove forse qualcosa magari può darsi, si possa dire. Ora io molto francamente non ho in questo momento modo di verificare, però chissà. Inoltre un altro aspetto è che sia per la Rapacis che per altri monumenti, diciamo così, di età augustea, sto pensando a cose in Italia, ma anche per esempio in Narbonensis, quindi Glanum, Orange e così via, si è sempre, come dire, collegata il mondo botanico a due aspetti. Uno, propriamente detto, quello cioè del recinto sacro, e questo particolare per la Rapacis. E quindi da questo punto di vista questo rapporto è già stato identificato. Dall'altro, come dire, la pace augustea, la ricchezza, e quindi se vogliamo, insomma, elementi che vogliono tutti richiamare a questa nuova abbondanza, diciamo così. Mi chiedo però se queste spiegazioni, per certi versi, non ci abbiano in qualche modo impedito di guardare altro, cioè, perché come diceva prima Federico, cioè poi alla fine magari alcune cose hanno ricevuto attenzione, ma cose come queste sono un po' mancate, quindi in realtà uno studio come quello che stai facendo, mi dico, forse ci sono cose che sono nel, come dire, di solito sono state esaminate magari dagli archeologi, comunque sia sono testimonianze figurative, in cui magari, chissà, non si possa trovare qualche elemento in più a supporto di questi studi che stai portando avanti. Quindi più che una considerazione o una domanda, la mia diciamo è una domanda pratica, cioè se hai intenzione di estendere a questo ambito, diciamo così, le tue ricerche, che in realtà ho visto l'hanno già toccato, perché quelle rappresentazioni che ci hai fatto vedere dell'Ectis Ternium sono assolutamente interessanti. Però mi chiedevo questo, insomma. E di nuovo grazie ancora per la presentazione. Grazie a te. Faccio una risposta di Normand, come si dice in Francia. Réponse de Normand, oui et non. Oui, bien sûr, parce que... quando ci sono così poche fonti, ovviamente bisogna allargare per cercare tutto il possibile per sostenere l'argomentazione. Il mio problema è che devo confessare che il campo iconografico non è la mia parte forte. Et en fait, je trouve ce qui est dur pour moi avec l'iconographie, j'aimerais l'utiliser plus, je souhaiterais, mais c'est que c'est très cumulatif, il faut connaître énormément et avoir vu énormément de choses pour pouvoir identifier et véritablement repérer. Donc j'aimerais bien, alors des représentations de prêtres qui sont en train d'agir, j'en connais pas vraiment, il doit en exister, enfin, qui sont agir pour autre que le sacrifice, ça, il y en a plein, des scènes de sacrifice ou de ça, il y en a plein, hein. Mais qui seraient en train de faire quelque chose qui pourrait se rapprocher de ça, je n'en connais pas. C'est vrai que sur la Rapacis, il y a beaucoup de végétaux. C'est vrai, mais notamment sur la partie extérieure et en dessous, mais c'est essentiellement
de la cante et de la vigne et des choses comme ça. Alors, il y a toute l'interprétation de Gilles Sauron sur ces végétaux. Il faudrait reprendre le dossier éventuellement. En tout cas, assurément, ce serait intéressant. Moi, pour l'instant, je ne connais pas vraiment, je n'ai pas de piste directement, en l'occurrence. Là, le lectisterne, c'était relativement facile pour moi, entre guillemets, parce qu'il se trouve que c'est de l'iconographie dans les tombes étrusques, et je connais un petit peu plus ça, parce que c'est des périodes anciennes, et que je travaille sur les périodes anciennes, et que j'ai toujours trouvé fascinant ces tombes étrusques. Je dois dire que je pourrais commencer, et ça, c'est vrai que j'ai pas cherché, je pourrais commencer par comment il s'appelle, ce dictionnaire des représentations, le LIMC, Lexicon Iconographicum Mythologicae Classicae, et voir si dedans, il n'y a pas des choses. La première chose à faire, ce serait d'aller vérifier dans le LIMC, je pense. En tout cas, c'est clairement quelque chose à faire, oui. Oui, oui. Yeah, merci, grazie. Grazie. Grazie, grazie. Anche la domanda era molto interessante. Grazie. E altre questioni? Ci sono ancora... Federico, vuoi dire qualcosa? Solo se c'è tempo, è una cosa molto rapida, però è proprio una curiosità. Tempo, non... Allora, benissimo, grazie. E su quel passo, che mi pare anche lì fosse verso la metà della presentazione, sui Capita Deorum, se ho ben visto. Giusto? Il passo di Festus. Esatto. Ecco, sì. Si parla di capita che appartengono agli dèi o si parla di capita degli dèi in forma di fascicoli? Esatto. Io l'ho capito come l'ho tradotto, quindi come dei piccoli bouquet, come capita degli dèi. Ma... Sì, sì, no, volevo proprio... usa la stessa espressione, deorum capita. Sì, sì. No, lì mi è venuto in mente, per associazione di idee, ma temo sia un'associazione di idee molto imperfetta, la rappresentazione dei lares, cioè delle offerte che si fanno ai lares. I pupazzetti, diciamo, le bamboline a rappresentare i membri della famiglia di condizione libera e le palline a rappresentare i membri di condizione servile. È un'associazione di idee che andrebbe, io credo, raffinata e probabilmente cercando di raffinarla si dimostrerebbe poco valida, ma anzi invalida. Però insomma questa idea di un oggetto altro che rappresenta un'entità in qualche misura presente e viva, mi è tornata alla mente, proprio per associazione di idee. Non so se sia in alcun modo produttiva, però te la... Vuol dire che ce serait une espèce de... simbolo. Il faudrait comprendre tête des dieux et qu'en fait la fleur représenterait le dieu, par exemple, l'étonymie. Esatto. Ci sono alcune teorie che vogliono che nell'ectisterna venissero rappresentati così gli dèi, fossero appunto non reali, ecco, in questo senso, non fossero solo simbolici. Ma, no? Sì, nell'ectisterna normalmente i dieux sono rappresentati, sono là sotto forma di statue o di... Non sempre, ad esempio, ho letto, non riferimento, non mi ricordo, ma ho letto, c'è qualcuno che sosteneva che la rappresentazione più antica in realtà fossero dei fasci di piante che erano quello che simboleggiava il dio, prima di passare all'aspetto iconografico invece proprio dell'immagine del dio a tutti gli effetti. Quindi fosse una non realistica, ecco. Non so se è proprio John Scheide che l'ha detto, credo. Non no, è un punto... Sì, no, è un punto molto importante perché tête de Dieu e tête des dieux non è la stessa cosa. Assolutamente, non è la stessa cosa. Però, ripeto,
è la prima volta che ci penso. È molto importante. Mi chiedo, è solo che mi chiedo come scegliere, come trovare un argomento, un modo di scegliere la traduzione giusta. Quindi devo pensarci, ma è un'idea giusta. Bene. Ah, ti ringrazio. Grazie a te. Io, se non avete altro, ci sono altre osservazioni? Siete tutti un po' stanchi? Ok, va bene, allora vi ringrazio molto, ovviamente siamo... Stanchi ma contenti, diciamo. Sì. per la serata, anch'io sono molto entusiasta del discorso, del dibattito e della presentazione che abbiamo fatto. Bene, direi che con oggi si chiude questa serie di seminari autunnali. Non sappiamo bene ancora in quale forma, se ritorneremo l'anno prossimo o no, dobbiamo ancora ragionare un pochino su questo, però comunque direi che nel complesso è stata una bellissima serie, trovo che insomma, abbiamo avuto dei relatori eccellenti anche oggi, tutte le giornate si sono confermate scelte particolarmente azzeccate e un pubblico molto proficuo nel dibattito, molto caloroso. Questa è una cosa che ci ha fatto molto piacere. Ho detto, vi direi, vi saluto. Cioè, vuoi interrompere la registrazione? Vi ringrazio molto io. Grazie, Timo. Era un piacere.